Bon, ben, on va remettre ça encore. Là. Sérieux, je me suis rendu au troisième niveau, moi. Sur 5, peut-être. Je pense qu'on n'a pas tant que ça, le pire. La moitié du jeu de fait. Presque. Le troisième niveau, c'est maudit, là. Ça, vous allez vous en rendre compte. Je vais essayer de vous en parler. De toute façon, vous allez le voir pendant que je joue, là. C'est pas évident. On va essayer de se rendre cette fois-ci. Peut-être faire mieux, peut-être passer un niveau de plus. Zombie Nation, Samurai Zombie Nation. Donc, par défaut, c'est easy, sinon hard. Je pense que ça va être un petit peu trop difficile. À moins de bien connaître le jeu. Premier niveau, c'est quand même correct. On s'entend que c'est pas difficile non plus. Mais même la première fois que j'ai joué, je me suis même pas rendu au boss du premier niveau. Et je viens de comprendre pourquoi. On touche à l'électricité, on perd toute notre énergie. Il nous laisse juste un. On est déjà en danger. Ben voyons. C'est pour ça que je trouve que c'est exagéré. Sinon, regardez, un petit coup sur le D-pad, on avance. Je vous niaise pas, là. J'ai donné rien qu'un petit coup, regardez, il avance. De ça. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 coups on a traversé l'écran. C'est au lieu de la traverser analogiquement, là, si on peut dire. Il n'y a aucune analogie dans le gameplay. J'ai rarement vu un shmup comme ça. Là. Je pense que c'est la première fois moi, que je vois ça. Voilà, la musique est bonne, là. Les graphismes sont hot. Le titre du jeu aussi, Zombie, hein, qui aime pas les zombies. Premier niveau, c'est vraiment là, pour s'upgrader. Il fallait vraiment pas que je meure. Ça, c'est... Enfin, je connaisse le jeu par cœur, je le fasse no death run. Hein. Sinon, ça a l'air dur. Une fois que tu perds tes upgrades, pour ça j'ai resté buggé au troisième stage. Plus d'upgrades, c'est fait. Là. Qu'on le connaît par cœur, c'est pas pire. C'est ça que je trouve le fun d'un jeu. Ça, ouais, en a un en bas, un en haut. Un qui va me foncer dessus. Là, faut pas que je touche à ça. Là. Ce niveau-là est un petit peu plus difficile pour l'électricité. Même tantôt, je suis mort, imaginez. Je niaise pas, là. Regardez, j'aurais pas allé me foutre dessus. On pense des lampadaires. C'est comme les lampadaires en haut des buildings, mais... C'est pas comme les lumières qu'on voit au loin, là. Là, il faut que je tienne ma manette par en bas. Exactement. Sinon, je la tiens pas. Regarde, là, je suis pas assez bas. Quand je la tiens par en bas, on le voit, je descends de quelques pixels de plus. Là, ça passe. Fait que... Sinon, même son rat, là, la grosseur d'un personnage versus ce qu'on voit des fois à l'écran, là, c'est pas évident de passer. D'éviter les balles. Là, tout. Ça, c'est moins pire, les balles, parce que... Une balle, au moins, ne fait pas perdre toute notre énergie. Ben, un d'énergie. Il y a ça qui est bon. Ça serait pas de l'électricité, là. Ça serait quand même pas pire comme jeu. Par chance, je retiens la manette par en bas. J'aime ça tout détruire.
Boom. Arrivé au boss, d'après moi. Pas dur la technique que j'ai trouvée. On vient niaiser un peu la statue, le flambeau de la statue de la liberté qui s'est transformé en méduse. C'est vraiment ça. Là. Bon, ben, premier stage, pas si pire. 5 minutes. Là, ça commence à être un peu plus difficile, disons. Faut pas que je perde mes upgrades, faut pas que je me fasse toucher là, par l'électricité. Les éclairs, le tonnerre. Please. La musique est hot, man, et pip. Il vaut mieux rester au sol, ça va mieux tout détruire. C'est là qu'il y en a des otages. Mais je pense que je suis pas mal équipé en otages. La seule affaire que ça pourrait me donner, c'est des continues, probablement. Ah, il y en avait un dans le tour. C'est bon de tout détruire, mais peut-être un autre site. Et où? Plus facile comme ça, en tout cas. Restant en haut, je ne tenterai pas trop avec les avions. Hein. Yes! C'est ce que j'ai été chanceux, man. Yeah! Bon, ben, on est revenu à case départ, presque. Ce niveau-là était pas si pire, me semble. Wow! La chute d'eau m'attire en bas. Ça veut dire que si je tombe dans le vide, sûrement que je crève. Ce qui est dur à tuer, hein? Tom Sawyer. Wow! Et ça, faut tout le temps que je mette ma main par en haut, sinon je suis attiré par en bas à cause du courant de la chute. Wow! Hey!
Oh, j'en récupère un peu d'énergie. Je sais pas comment j'ai fait pour récupérer un petit 1. Ça, c'est même pas le temps de me tirer des haches. Ça, c'est le boss, en tout cas, à date, le plus facile. Bon, là, le niveau de tout à l'heure, pas évident, hein? Le robot en arrière, j'ai pas pu le détruire. Partie de niveau. Yes. Ok, je sais pas à quoi m'attendre. Va-t-il y avoir un piège ou quelque chose? Ça, j'ai bien géré, là. Pour l'instant, ça va. C'est une question de positionnement à ce niveau-là. C'est tout. Oh! Ok. Pas un niveau de même. Alors, pas que je fasse d'erreur. Chanceux, man. C'est un niveau rat, man. J'aurais pu vraiment à deux places à la date me faire avoir. Tu sais, ils te le montrent pas à l'avance, là, pis t'aurais même pas le temps de revenir sur tes pas. Ok. T'es chanceux, mais si. Ok, c'est quoi faut détruire? Merde.
Merde, j'ai perdu toutes mes upgrades. C'est quoi ce style boss de marde là, man? Voyons, c'est ridicule, man. J'avais toutes mes upgrades. J'étais pas d'upgrade, mais c'est impossible. C'est ridicule. Ça se détruit pas, ça? Ah, faut que je passe au bon moment, man. Ça se détruit pas, là. Son rat, man. Je l'avais, man. L'avoir su, man. Faut tout le temps que tu le saches, man. Comment vous voulez que je sache ça? Moi, je peux essayer de détruire ça, tu sais. Perdu mon temps solide, là. J'espère que je vais avoir le temps de récupérer des upgrades parce que. On vaut même pas notre énergie pour le boss, c'est pas encourageant, mais bon. Pour l'instant, c'était juste d'avancer, ça. Avoir su ça. Hein. C'est juste ça, man. Hey, bonne nuit à toi, man, le collecte joueur. Wow, wow, wow. Hey! Tu sais, j'ai même pas eu le temps de rien faire. J'étais coincé, là. Bon, mais je viens de perdre les peu d'upgrades. Le peu d'upgrades que je viens d'acquérir. Ça va être top d'après moi. L'un des derniers niveaux, l'avant-dernier. Peu importe, je sais pas. Ok, de 1. Mais j'ai plus que la moitié de mon énergie perdue. Wow. Ok, 1 de gagné. Comment j'ai fait ça? Un perdu. Aucune idée des fois comment on acquérit notre énergie. Pas le temps de le voir. Faut tuer tant d'ennemis. Bon, ben, je suis fait. Ce qui arrive, man, on acquérit pas assez rapidement des upgrades. Notre personnage, notre caractère est trop gros, la face là, de samouraï. Là. À garder, bloqué encore. J'allais encore me faire avoir. On dirait que ça fait partie du background. Ça, c'est au moins. Un d'entre eux nous donnerait déjà un upgrade. Ah, c'est trop... regardez, vous voyez comment ça prend le coup. C'est de la folie. Là. Voir de quoi quelque part. Là. Il y en a un, là. Ah ouais, là. Ah, trop facile de perdre son énergie. D'énergie, c'est pas commode, hein? Ah, la tête, c'est vrai qu'elle est trop grosse, vous trouvez pas? En plus, comme je vous l'ai montré, elle avance trop d'un coup. On peut même pas être... Si au moins... OK, on pourrait avancer précisément.
Mais là, ça avance d'un coup, comme là, je venais de voir. Même si j'appuie là, le plus délicatement possible sur le D-pad, ça avance comme ça, ça avance. Son rôle. Éviter de me faire toucher le plus possible. Pas facile ceux-là. Ok, l'enfer, si l'enfer existe, c'est bien ici. À la grosseur que je suis, bonne chance de passer. Pas si pire, ça dure pas un an au moins. Yeah. Phew, une autre partie de niveau de fête. Quoi? Arrêtez de multiplier! Ah, je peux même pas toucher à celui qui s'est défait. Il s'est détruit, puis ils touchent en crève. Hey, please, man. Est-ce qu'il va rester assez de continu? 6, yes! Peut-être. L'espoir est là. Oh, un coup, c'est plus de la rigolade. Là. Voyons. Les balles, probablement, je peux leur toucher, mais pas la tête. Ok. C'est hardcore. Ouais, les balles, je peux leur toucher, mais pas eux autres. En plus, il faut que je les tue à une place où que, hein, on s'entend que je ne leur retoucherai pas, j'espère. Non! Je l'avais quasiment. Je suis sûr que je l'avais quasiment. Fallait pas que je touche à l'autre tête. Ah, c'est gras! Si j'arrête mes upgrades, ça serait pas si pire, ça. Ah, en plus, il ne doit plus me rester beaucoup de coups encaissés. De gros, man! On est juste trop gros d'une petite affaire! Tu me niaises! Je pense que c'est une joke, man. Ah, c'est faisable, non, c'est juste chiant, man, tu sais, one hit, tu crèves, one shot, pas de... Cinquième niveau, avec quoi, 3 ou 4 continues.
Quoi? C'était lui, Darkseid. Quoi? J'ai guetté le jeu. C'était ça? Quoi? C'était juste ça? Tout ce mal-là pour ça? Incroyable, man. Sérieux, man. C'est donc bien court, ce jeu. Ah, je sais que le mode hard, là, pour essayer de mettre un peu plus de challenge. Congratulations! Triple congratulations! Domination, là. Sérieux. Aïe, aïe. Il me semble qu'il manquait quelque chose. Tu sais, le dernier niveau, il est botché. Aïe, les deux tours, esti, ils vont les faire sauter, carrément. Mais non. Ça veut dire que c'est pour ce jeu-là, il y a peut-être qu'il y a de la valeur. Mais non, c'est quoi, c'est Maldak, puis c'est leur seul jeu qu'ils ont fait, probablement. Bref, ils ont pris la peine de mettre un générique la fin. Il y a des jeux, c'est juste The End, that's it. Mais je voulais dire que le dernier niveau, il est botché, tu sais, il y a rien qu'une phase au lieu de deux. Ok, me semble, à mon avis, puis il y a un boss, puis tout de suite après, c'est le boss de la fin, quoi. Tu sais, c'est parce que je l'ai su que c'était le boss de la fin, quand je suis allé voir c'était qui, Darkseid, évidemment, puis j'ai vu que c'était l'alien, tu sais. J'ai pas vu, là, moi, là, je pensais qu'elle allait avoir un autre niveau, je vous le jure, j'ai pas été spoilé, à part que je savais que c'était ça, le boss de la fin, j'ai même pas écouté de game, rien. Donc je m'en suis bien tiré, pareil, pour un jeu que... J'avais plus ou moins joué, j'avais juste fait le premier niveau sans le terminer. J'avais déjà joué, oui, mais j'avais pas eu de succès. Ouais, quand tu commences, il n'y a que 4 niveaux, hein. J'ai vu ça, mais il aurait pas avoir un 5e niveau. On sait pas. Une phase finale. Merci à toi, Classic Game, en passant, pour ta suggestion. C'était vraiment plaisant. Passé presque 1h30 dessus. Une grosse heure à faire quelques essais-erreurs, puis la 5e essai était l'essai concluante. Hein. En 24-45, c'est quand même bon. Hein. Ce jeu, il y a des secrets cachés. Je suis pas sûr d'avoir lu dans le livret d'instructions qu'il y avait des... de quoi te cacher dans le jeu. Non, je pense non, c'est Big Nose. J'ai lu le livret d'instructions du prochain jeu. Chut. Ce jeu des secrets cachés de la vraie vie. Ceux qui savent bien analyser les remarques. Ça, je comprends pas exactement ce que tu veux dire, mais c'est pas grave. Merci, man, pour ton commentaire. Nice. C'était ça, man, Zombie Nation. Donc, essayez ça. Je vous le suggère sur émulateur ou sur... Bien sûr, cassette Power Pack ou peu importe. Flashcard, n'importe quoi. Testez ça parce que... Vous m'en reparlerez, hein, si c'est un shmup qui est intéressant. À part les petites mentions que j'ai mentionnées, que tu donnes un petit coup sur le D-pad, t'avances d'un considérablement par en avant, ça rend ça... je trouve un petit peu plus difficile. Le fait que la tête soit un peu grosse aussi, puis que... ça rend nos déplacements plus stratégiques, disons. Alors, en général, j'ai bien aimé mon expérience, c'est juste ça a été un petit peu plus court. Je suis pas déçu, mais avoir payé la totale, je serais crissement déçu. Allez voir ça, vous allez voir, vous allez être... vous allez voir le prix, vous allez faire... Ah, quoi? Ça n'a pas aucun sens. En tout cas... Qu'est-ce que vous voulez, le rétro est comme ça. Si quelqu'un qui achète ça, il va y avoir joué une fois dans sa vie, puis il va se dire, ben, je vais aller rejouer à Contra, les Mega Man, les bons jeux qui ne sont pas nécessairement les jeux les plus dispendieux. Donc, je vous suggère plus de jouer à des jeux qui sont accessibles que jouer à des affaires qui sont peu obscures et chères. Donc, merci à tous, en tout cas, d'avoir été là pour ce superbe jeu de zombies, le seul que malheureusement je crois sur NES qui porte le nom zombie, évidemment. Fait que on se revoit pour le prochain challenge, Villainous Challenge, prochainement. Merci, gars.